Stop pub. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Lucid Sapiens International. Stop pub. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de développement personnel. Je vais vous parler de business et d'argent sur le web. Cette vidéo s'adresse spécialement à tous les internautes qui veulent monétiser leur blog ou leur chaîne YouTube. Vous voulez gagner de l'argent sur Internet, ceci vous intéresse. J'ai intitulé cette vidéo « Stop pub ». Vous m'écoutez du début à la fin et vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour rester connecté à mes publications. Je suis David Gagné-Albert, je suis le fondateur de Lucid Sapiens International, destiné à la formation financière, à la formation entrepreneuriale, au développement personnel et à la vente de produits numériques. Vous voulez gagner de l'argent sur Internet avec votre blog, votre site web ou votre chaîne YouTube. Vous allez immédiatement penser à la publicité. Publicité. C'est l'une des premières méthodes à laquelle beaucoup d'internautes pensent. Mettre de la pub sur votre blog ou chaîne YouTube pour avoir des revenus publicitaires. C'est une bonne idée. C'est pas mauvais. Cependant, ce n'est pas la meilleure des choses à faire si vous voulez gagner de l'argent sur le web avec vos activités. La pub, c'est une erreur de débutant que j'ai moi-même fait et que je veux vous aider à éviter. Pourquoi faut-il éviter la pub? Parce que la publicité sur Internet n'est pas cher payée. Vous allez ramer pour gagner de l'argent grâce à la pub. Vous allez ramer pour gagner 50 ou 100 euros par an. Eh oui, la pub sur Internet est payée au clic entre 1 centime d'euro et 80 centimes. Une régie publicitaire comme Google AdSense peut vous payer 80 centimes par clic pour certaines pubs, mais la plupart des régies publicitaires payent moins, beaucoup moins. Ce n'est pas une bonne affaire. Pour gagner de l'argent avec la publicité, vous devrez avoir des milliers, voire des millions de personnes qui passent chaque jour sur votre site. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de blogueurs ou de youtubeurs. De plus, vous pouvez avoir des milliers de personnes qui passent sur votre site, mais le problème est le suivant. C'est que tous les internautes ne cliquent pas sur les pubs qui s'affichent. Donc, vous ne pouvez pas être payé s'il n'y a pas de clic. Par exemple, vous pouvez avoir 1000 personnes qui passent sur votre site et ne rien gagner. Vous pouvez avoir 10 000 personnes, 20 000 personnes qui passent sur votre site. Par exemple, 20 000 personnes qui passent sur votre site dans une journée et vous n'avez que 3 clics. Vous voyez? D'autre part, les régies publicitaires peuvent à tout moment vous casser votre contrat publicitaire pour un oui ou pour un non. C'est le cas de Google. Alors là, je vous assure, ils sont très susceptibles. Ça rigole pas. Vous vous réveillez un matin et vous voyez votre publicité, toutes vos publicités sont désactivées. Et l'argent que vous avez déjà gagné, vous ne pouvez pas le prendre. Voilà. Vous voulez monétiser votre blog ou votre chaîne YouTube? La meilleure méthode, c'est de vendre. D'apprendre à vendre vos propres produits ou services ou vendre les produits de d'autres personnes contre une commission sur chaque vente. Vous allez créer votre produit que vous allez mettre sur les plateformes prévues à cet effet. Et ensuite, vous allez faire la promotion de vos créations sur votre chaîne YouTube ou votre blog. Ça va vous demander plus de temps, mais au final, vous verrez que vous serez plus
plus gagnant que d'attendre sur des revenus publicitaires. Par exemple, vous pouvez écrire un livre que vous allez publier et vendre sur Amazon Kindle Publishing, qui est une plateforme d'auto-édition. Je vous mets le lien dans la description vidéo. Vous pourrez vous inscrire gratuitement pour vendre vos produits numériques, vos créations, vos livres, vos formations. Vous pouvez aussi écrire et vendre vos formations, écrire un livre qui apprend aux gens à faire quelque chose que vous ne savez pas. Vous pouvez écrire et vendre un livre sur une activité que vous savez faire. Vous allez créer une formation. Vous pouvez la vendre sur un TPE. Un TPE vous permet de vendre vos produits numériques, mais aussi de vendre les produits de d'autres personnes contre une rémunération qui peut aller jusqu'à 70%. Je vous mets aussi le lien dans la description vidéo. L'inscription est totalement gratuite. Pour ceux qui font des films, par exemple, il y a des plateformes qui vous permettent de mettre votre musique ou mettre vos films en vente, en location. Voilà, donc il y a différentes façons de monétiser votre chaîne YouTube, votre blog. Amazon Kindle et un TPE, ce sont les deux plateformes que moi j'utilise et que je vous recommande pour monétiser vos activités. Cependant, vous pouvez aussi trouver d'autres sites qui font le même boulot et en fonction de ce que vous faites. Hein. Comme je vous ai dit, si vous faites de la musique, il y a des plateformes pour ça. Si vous êtes réalisateur, vous faites des films, il y a aussi des plateformes qui vous permettent de le faire, de vendre vos films ou vendre votre musique. Voilà. Après aussi, il y a le placement de produits, etc. Mais bon, pour débuter, vous pouvez déjà vendre vos livres. Voilà. L'essentiel, c'est de réussir à vendre un produit ou un service qui ne provient pas de la publicité, des régies publicitaires. Vous voulez gagner de l'argent sur Internet? Apprenez à vendre et non à être le panneau publicitaire d'une régie. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite du fond du cœur que vous gagniez beaucoup, beaucoup d'argent avec vos activités sur le web. Merci.